Christine Pascal était une actrice, réalisatrice et scénariste française, née le 29 novembre 1953 à Lyon et qui s'est éteinte le 30 août 1996 à Garches. Ses débuts au cinéma. Après avoir étudié en lettres, puis au Conservatoire d'art dramatique, le déclencheur arrive à travers Bertrand Tavernier, qui remarque Christine Pascal et la fait tourner dans son film L'Horloger de Saint-Paul. Elle va tourner 5 longs métrages avec lui, dont Que la fête commence en 1974 et Des enfants gâtés en 1977. Elle joue son premier grand rôle dans Les guichets du Louvre du réalisateur Michel Mitrani. Aux côtés d'Isabelle Adjani et Isabelle Huppert, elle formait un trio de jeunes comédiennes prolifiques. En 1977, en compagnie d'Isabelle Huppert et de Nicole Garcia, l'actrice incarne alors le rôle de Liz dans le film Les Indiens sont encore loin de Patricia Mora. En 1978, elle rencontre le producteur suisse Robert Bonheur, sur le film Les Petites Fugues du réalisateur d'origine suisse Yves Saint. Elle se marie en 1982 et obtient la nationalité suisse. Elle devient réalisatrice. En 1979, elle réalise son premier film, Félicité, qu'elle a écrite. Dans ses films suivants, elle ne sera plus que réalisatrice et scénariste. D'après Jean Tullard, la critique a été sévère concernant ses talents de réalisatrice. En 1992, elle signe Le Petit Prince à Dio aux côtés Richard Berry et Anémone, qui remporte un important succès critique. Le film gagne le prix Louis Delouch. Christine Pascal est aussi nommée au César du meilleur réalisateur, et devient la troisième femme à gagner cette récompense dans l'histoire du prix. En 1994, elle fait la voix française de Sigourney Weaver dans le film La jeune fille et la mort de Roman Polanski. Son film suivant, Adultère, mode d'emploi, sorti en 1995, est moins apprécié. Tandis qu'elle est soignée pour des troubles psychiatriques dans une clinique de Garches, le 30 août 1996 elle se suicide en sautant par la fenêtre de l'établissement. Mireille Darc est une comédienne célèbre décédée il y a 2 ans. Découvrez la vie et la carrière de l'actrice française de renom.